Et plop les gens, de retour dans le basement, dans la cave. Du coup, on reprend une sauvegarde en arrière par rapport à la dernière sauvegarde possible. Parce qu'on a bien vu que c'était juste trop compliqué, on va dire, de réussir à s'en sortir. Je me demande entre les deux laquelle serait la plus intéressante parce que... Mais je n'en sais rien. Donc on prend juste une en arrière pour le moment. Et on y va. Alors à quel moment on en était? Est-ce que l'investisseur nous a déjà parlé ou pas? Apparemment. Alors ici, je vais envoyer lui, Kenny et Gunther. Si je le trouve un jour, Gunther, là. Je pense qu'à eux trois, ils devraient y arriver. Maintenant, où est Sid? Où ils sont eux? Ah, eux ils viennent. Je n'en sais rien. Peut-être que le cheat qu'il y avait avec eux ne fonctionne plus. Oh, le cheat. Moi, c'est pas un cheat, hein, c'est. La moindre, ils vont se soigner. Très bien. Oui, il se débrouille, hein. Tant qu'il crève pas, moi ça me va. Juste, elle est où, Sid? Parce que la recherche, faut pas oublier qu'au début, il la faisait tout seul. Ici on peut recruter quelqu'un. Mais Sid elle est où? Yeah. Ok elle est là. J'ai complété vite. Surtout ne pas perdre d'argent comme à la fin de du dernier épisode parce que c'était un peu dramatique. Où j'ai perdu tout le monde d'un coup. Très vite quoi. Du green pour qu'il se soigne plus vite mais
salle de vente, c'est ici normalement. Non. Mais c'est parce que c'est ici ma salle de vente, c'est pour ça que je perds toute la thune. Faut que tu me prennes ça, Sid. En vitesse, sinon je perds et je sais pourquoi maintenant. J'ai pas le temps d'attendre. Bon, j'ai la flemme de tout traduire vu que... Je le fais des fois, mais en général, quand je ne tourne pas les épisodes le même jour. Hop, hop. Là, il va nous falloir combien? 600. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un employé qui est parti, c'est qui? C'est un producteur. En général, la production, on en a pas mal. Et lui, il pensait que tout allait bien, mais non. Sid, tu viens là. Garde du corps, à la limite on peut les faire revenir ici. La recherche est presque finie, on lance la suivante avant de réembaucher du monde. Voilà. Que ça coûte quand même 800 balles la recherche. On en est où? C'était où? C'était là la vente. Tout le monde se casse, mais on a acheté des vendeurs. Enfin, on a demandé à des vendeurs de venir. Qui ne sont pas au courant qu'on ne paye pas bien. Sid, viens là. Je pourrais peut-être commencer à lui donner du green d'ailleurs. Ici, il n'y a rien pour embaucher, mais non, c'est pas le plus important, c'est ici le plus important. 3 vendeurs de plus. Il est quelle heure? Il est 15h, ouais, 3 vendeurs. Devrait le faire. Effectivement, j'ai pas du tout fait gaffe aux recherches. Mais ça va, c'est la moins chère. Ils reçoivent leur salaire à 18h maintenant. Ah, il y en a 3 qui vont au bureau de Miguel. Ça va pas le faire. C'est beaucoup trop par contre. Hop.
Et Sid, tu viens quoi. Ok, les thunes, ça a l'air bon. Ici, on voulait de quoi ne pas s'embêter à recruter ailleurs, puis à faire venir les gens. Quoique j'ai dit les thunes, ça a l'air bon. Trois personnes n'ont pas eu de salaire en même temps. Tac. Ici, il y a de la prod, ici, on devrait en remettre. J'ai pas fait gaffe, mais on est à la fin des recherches. C'est donc pas cool. Sid. Je pensais t'avoir dit de venir ici, Sid. J'ai laissé l'autre crever. Oh punaise. Recherche finie. Ici, Sid, ici. C'est le plus important. Alors toi ta stamina, très bien, on s'en fiche en fait. Vous les combattants, vous venez là. En fait, ils sont trop relous, ils mettent trop de temps là à s'entraîner. Donc, non mais ils se sont entraînés qu'à moitié. Hein. Faut tous les faire inverser. Alors toi tu vas là, 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 toi. Non, toi tu vas là. Je vous ai fait venir pour rien, ou vous venez là. Et mince, tout le monde s'est fait buter en attendant. Alors ici, il nous dit qu'on doit produire. Tu vas le démonter. Soigner toi. Ça j'aurais dû l'améliorer.
Et con, c'est vrai qu'il y a des choses à vendre ici. Dépenser 2000 balles dans un truc qui me sert plus. Attendez, Non. Ce qui compte, c'est donc du bleu. Blanc, bleu, je sais pas. Et on prend deux personnes pour essayer d'attirer une file de une queue. Ici vous en êtes où? Toi tu dois t'entraîner là. Et cool. Là tu n'arrives bien. Non, c'est pas assez propre. Et qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est clean comme le pyjama du prophète. Non, ça me donne mal à la tête. Je le jette et je m'en débarrasse. On doit mieux regarder. C'est ça que je craignais. Hop, hop. Chercher complété. Hop, nouveau labo, ça veut dire d'abord ça en plus, labo et on embauche. Ils me demanderont pas de refaire 5 produits. Oh. Hop là. J'ai oublié de lancer l'autre, j'ai attendu 3 secondes. Secours. Déjà embauché deux producteurs au cas où ils essaient de ils veulent me dire qu'il faut que j'en revende. Là, maintenant ça ressemble plus. 5 étoiles. Mon travail est fini. Je me casse. Bonnes vacances, les gars.
Ouais, j'appelle l'investisseur. Hello, monsieur l'investisseur. On a fini les développements. Et on a fait pas mal de thunes. Les produits sont prêts, comme on s'est dit. Hein? Je ne me souviens de rien. Qui c'est? N'appelez plus jamais ici. Ok, donc vous aurez pas la formule. Est-ce que vous parlez de ma formule pour le médicament d'allergie? Que mon chimiste vient de me ramener? Oh, ces connards, ils nous ont eu. Je vous conseille de prétendre que c'était tout un rêve et de vous asseoir patiemment et en silence dans votre cave. Au revoir. Merde. Ouais, au moins on a la formule du produit le plus cool et des pièces pour produire et en vendre. C'est pas mal non plus. Ok. Qu'il aille au diable. Alors on va le laisser faire son propre white. Alors on a des choses pas finies ici, non? Des affaires non finies ici. Effectivement. Mais de quoi? Alors ici, bon courage, hein. D'ailleurs, Sid, où es-tu? Ah, tu es full life. Très bien. Très bien, tu es full life. Cool, j'ai envie de dire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non. J'allais embaucher des gens, mais non. Je les ai déjà embauchés au final. Ils sont juste pas au bon endroit. N'embauchez que trois qui travaillent pas. Venez là. Ce serait mieux qu'à faire je ne sais trop quoi là-bas. Ici, il y en a un qui bosse pas. Enfin, il manque un truc alors que j'en ai vu un qui bossait pas. Quoi? Toi, tu vas là. Au secours. J'ai bel et bien eu un glitch. Alors toi tu t'entraînes là, toi tu t'entraînes là, et toi on s'en fout d'où tu t'entraînes. Tu vas commencer à tout reprendre parce qu'il y en a marre. Là, j'en ai deux qui produisent pour rien. Toi, tu peux te mettre ici et vendre. Gun. Tac, ici. Ils sont où? Toi, tu viens là. Il y en a trois que je peux embaucher ici. Très bien.
Zut. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout. Vite. Vous venez là et on va embaucher 2-3 personnes pour attendre. Ah, j'ai cliqué à peine trop. Voilà. Ok, parfait. Sid, tu peux venir là s'il te plaît? Ouais, t'es en pleine forme. Et les autres junkies, même si vous n'êtes pas aussi fort qu'elle, venez ici. Donc ici ça va être, devrait être défendu par tous ces soldats là. Ah punaise, normalement il y a une flèche là en bas. Ça s'appelle comment? Robert et Léonide. Venez là les gars. On te redonne du green, faut te soigner petit à petit. Mais ouais, clairement en fait la sauvegarde d'avant je perdais juste parce que j'avais perdu ce bâtiment avec tous mes vendeurs. Et c'est pas ouf de perdre tous ces vendeurs. Laissez-moi vous le dire. Et venez tous ici, même si en soi. Je m'en suis beaucoup mieux sorti parce que je savais qu'il allait me manquer des sous et que j'ai compris plus vite pourquoi il m'en manquait. Non, toi tu viens là en fait. Et ici on veut recruter un vendeur. Ok. Là. À la limite, vous deux vous attaquez, mais en vrai, vous n'aurez jamais le temps d'arriver. Parce que les super junkies sont déjà dans le bâtiment juste à côté. Ils vont prendre la voiture parce que c'est des grosses feignasses. Pas besoin. Et du coup, ça reste en combat tant que les deux soldats sont pas arrivés. Ma défense, ça dépend d'elle et je suis en train de lui donner de quoi se soigner, c'est pas bien. On va faire en sorte que ce soit quand même la dernière mission.
celle où on la soigne. Ah, mais il y a quelqu'un. Ouais, il dit de venir au prochain niveau, du coup ça doit être prochain niveau in-game, évidemment. Kenny n'a pas encore eu sa vengeance, ça serait bizarre que la game s'arrête ici. Alors, on dirait qu'on a tout fait ici. Ouais, maintenant il est temps de se faire tupo. Tiens-toi prêt, Gunter. On va de son côté de la ville. Et on n'a pas soigné Sid dans cette branche. Breaking news, Miguel, un parrain de la drogue aux US. Pourquoi il a du pourpre ici? Est mort. Son gang est sur les bancs de l'église. Elle pleurait. Mais nous ne pouvons pas les arrêter. Le commerçant local Miguel est mort tragiquement ce matin. Sa famille a choisi de ne pas s'épancher sur les détails, mais les rumeurs disent qu'il est mort de vieillesse. Nous nous souvenons et nous... compatissons. Pendant ce temps, Gunter... a déjà utilisé une partie de l'argent de Miguel pour embaucher... The Best in Class Scheme. Les meilleurs game designers pour écrire une histoire et créer tous les différents niveaux. Je vais dire, ah ouais, les tabs Gunter, c'est plus la même, mais non, Gunter il est là. Ah, il paye par palette, par carton rempli de cash, très bien. Ouais, l'histoire doit être cool. Et ouais. Et on ne fume pas les biens dans les bureaux. Et donc, nous avons là un mini-épisode. En même temps, je ne savais pas du tout quand est-ce que se finirait cette mission. Du coup c'est pas grave, hein. Tant pis, vous aurez un petit épisode pour une fois. C'est marqué next level, donc il doit bien y avoir un prochain niveau, mais on verra ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait ou je ne sais quoi dans les commentaires. Moi ça m'amuse de vous lire quand quelqu'un écrit en général, du coup je réponds. Et venez sur le Discord aussi, c'est sympa, on est quelques-uns en vrai. On passe un bon moment. Allez, à plus.